Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for the Lord Jesus. Merci. Thank you. Josué chapitre 10, versets 11 à 14. Joshua 10, from verse 11 to 14. Nous continuons avec l'enseignement sur l'exercice de l'autorité. Ça fait partie de la série de messages sur le combat spirituel pratiqué par la prière. The spiritual battle, practice spiritual warfare through prayer. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et il périt. Ce qui mourut par les pierres de grêle fut plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. As they fled before Israel on the road down from Beth-Horon to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them, and more of them died from the hail than were killed by the swords of Israelites. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Son, stand still over Gibeon, and you moon over the valley of Ajalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Joshua. The sun stopped in the middle of the sky, and he lay going down about a full day. Verse 14. There has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Vous notez ceci. Note this. L'intensité de la prière, the intensity of prayer, dépend de la personne qui prie. Depends on the person who prays. De sa vision. Depends on his vision. De sa connaissance spirituelle. His spiritual knowledge. La parole de Dieu parlant de Josué. The word of God talking about Joshua. Que Josué pria. Said that Joshua prayed. Et arrêta la lune et le soleil. And stopped the sun and the moon. Le frère fait remarquer que. The brother makes it to remark that. On l'a dit un peu la dernière fois. We said a bit last time. Que quand il y a une réunion de prière, par exemple. When there is a prayer meeting, for example. Beaucoup de frères. Many brethren. Regardent l'heure de la fin. Look at the hour of the end. Ils regardent les montres. They check the watches. Ils regardent les pendules. They check the clocks. Et ils attendent l'heure de la fin. And they wait for the end of the end of the meeting. Et il montre que Josué, quant à lui, he showed that
As for Joshua, va même plus loin. Non seulement qu'il ne regarde pas la mort, he goes further. He not only does not check the. Il arrête même le jour. Il arrête le jour. He does not even. Il doit d'abord finir sa prière. He not only does not check the time, but he also stopped the day because he has to finish his prayer. Certains se disent dans bientôt 18 heures ça va finir et il se prépare. Mais lui, il regarde la montre, il voit que 18 heures arrive et il n'a pas encore fini. Il arrête le jour. Il dit, j'ai fini d'abord. Many people tell themselves that in a while it will be 6 p.m. and we'll finish. But as for Joshua, he watches, he checks the time and says that I've not finished yet, and he continues, he stops the day. Une telle attitude n'est possible que quand on a une vision divine, une vision claire, une connaissance révélationnelle de ce qu'on est en train de faire. Such an attitude is possible only when you have a divine vision, a clear knowledge of that which you are doing. Quelqu'un qui est pauvre. Somebody who is poor. Quelqu'un dont la vision est floue. Somebody whose vision is dull. Ne peut pas savoir que je dois arrêter la lune ici, je dois arrêter le soleil. Cannot know that I have to stop the moon here or the sun here. Nous devons poursuivre un but clair. We must pursue a clear goal. Quand tu pries, when you pray, c'est une école à laquelle Dieu nous invite. Quand tu pries, it's a school at which God is inviting us. When you pray, sois concentré sur le but de ta prière. Be focused on the goal of your prayer. Si tu disperses les ennemis, if you scatter the enemies, ne t'arrête pas. Do not stop. Jusqu'à ce qu'ils soient dispersés. Until they are scattered. Si le temps est court, if the time is short, dis à Dieu, Josué a arrêté la lune et le soleil. Tell God, Joshua stopped the moon and the sun. Tu n'es pas obligé de m'exaucer de la même manière. You are not compelled to answer me the same way. Mais exerce mes mains. But exercise my hands. Que je combatte jusqu'à la fin. That I fight till the end. Exerce mes mains. Exercise my hands. Donne-moi de combattre jusqu'à la victoire finale. Give me to struggle up to the final victory. Donc Freddy, chacun devrait supplier Dieu d'exercer ses mains au combat, de nous enseigner comment combattre. The brother reveals that each one should beg God to exercise his hands in a fight, that to teach him how to fight. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tout dépend de qu'est-ce que tu vois, qui prie. It all depends on what do you see and who is praying. Qui prie? Who is praying? Il faut prier jusqu'à la victoire finale. You must pray up to the final victory. Ne dis pas que quand je veux rentrer, je veux prier 10 heures de temps. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on dit, c'est que quand tu commences, si c'est le salut de ceux qui chantent là, on a déjà prophétisé qu'un jour on va rompre le pain là-bas. Donc, si c'est ça, prie jusqu'à ce qu'on rompe le pain là-bas. So, do not say that if I get back home, I will pray 10 hours. But when you pray, if it is for the salvation of those who are singing there, you pray until you realize that it's the end of the prayer. Ça peut prendre 10 ans. It can take 10 years. Comme ça peut prendre une minute. As also, it can also take 1 minute. Dis, Seigneur, exerce mes mains, exerce mon esprit à la prière. Say, oh Lord, exercise my hand, my mind to prayer. Fais de moi ce genre d'homme qui arrête le soleil et la lune. Make of me that kind of person who stops the moon and the sun. Que quelques personnes viennent prier pour nous tous. Let's few people come to pray for all of us. Ce type d'enseignement, on ne reçoit pas ça théoriquement. This kind of teaching, we don't receive it theoretically.
C'est pratique. Le Seigneur en a besoin. Nous-mêmes, nous en avons besoin. It is practical. The Lord needs it, and we also, we too need it. Beaucoup ont abandonné avant la victoire totale. Many have abandoned before total victory. Ils n'ont pas eu la foi pour arrêter le jour. They didn't have faith to stop the day. Et je suis parmi ceux-là. Et je fais partie de ceux-là. And I'm part of those ones. Pray. Seigneur, nous implorons ta grâce. Exerce nos mains au combat. Vu la densité, vu le but que nous devons atteindre, exerce mes mains en particulier et à tous ceux qui ont les fardeaux au combat pour obtenir la victoire finale. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, je te prie de nous pardonner. Pour toutes les fois, nous n'avons pas eu suffisamment de foi, ô notre Dieu, lorsque nous étions tout près du but, ô Père éternel. Je prie que tu nous pardonnes et je prie que tu exerces nos mains au combat, exerces nos esprits au combat, exerces nos pensées au combat. Seigneur, je prie que nous fassions partie des personnes, ô Père, qui arrêtent la lune et le soleil, notre Dieu. Parce que le combat n'est pas encore achevé. Seigneur, aie pitié de moi en tant qu'individu. Aie pitié de tout ton peuple ici rassemblé. Et tout le peuple dispersé dans la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous supplions ta grâce. Apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier de sorte à voir les ossements. Apprends-nous à prier sans relâche. Apprends-nous à prier. Oh Seigneur, donne-nous de voir comme Jésus a vu. Donne-nous de prier. Oh Seigneur, sans prendre conscience du temps qui passe. Oh Seigneur, donne-nous de prier. De prier, de prier. Oh Seigneur, en dominant le temps. Oh, en passant le temps. Oh Seigneur, crie à toi. Et cesse nos mains à la prière. Exauce nos mains à la prière. Exauce nos mains à la prière. Oh, s'il te plaît, donne-nous de toucher ceux pour lesquels on prie. Donne-nous de voir, de contempler, Seigneur, d'en jouir, Seigneur, et de rendre grâce, et de témoigner, Seigneur, parce que tu as été avec nous jusqu'au combat. Seigneur, donne-nous de prier comme Josué. Seigneur, nous voulons apprendre. Nous comptons sur ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Père, donne-nous un cœur et un esprit qui ne s'arrête pas tant que nous n'avons pas vu le résultat de ce que nous cherchons. Exerce nos mains, exerce notre esprit au combat, à la prière, au combat, à la prière, Seigneur, que nous ne nous arrêtons pas tant que nous n'avons pas eu le résultat. Que rien ne nous arrête tant que nous n'avons pas eu le résultat. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes une vision divine de la tâche que tu nous confies. Parce que tu nous dis que l'intensité dépend de la personne qui prie. Oh, de sa vision, de la tâche assignée. Je prie que tu donnes à chacun de nous une vision divine de l'œuvre que tu nous confies. Afin qu'on n'arrête pas tant qu'on n'a pas accompli, tant qu'on n'a pas la victoire finale. Exerce nos mains, Seigneur. Exerce notre esprit au combat, s'il te plaît. Afin qu'on n'abandonne pas tant que la victoire totale n'est pas atteinte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu exerces mes mains au combat. Exerce les mains de mes frères au combat, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes qui prient jusqu'à obtenir le résultat recherché, le but escompté, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes qui arrêtent le soleil et la lune, Seigneur. Nous te supplions, ô Père éternel Dieu. Pardonne-moi d'avoir abandonné, ô Dieu, promptement, Seigneur, les batailles que j'avais engagées, sans avoir atteint le but, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur, s'il te plaît,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous, Seigneur, nos piètres performances du passé. Pardonne, Seigneur, nos attitudes défaitistes au combat. Oh, les prières nonchalantes, élevées sans intensité, sans ardeur. Seigneur, cette capacité à abandonner si facilement, facilement découragée. Oh, notre Dieu, nous crions à toi ce jour, afin que tu pardonnes ce passé. Et nous venons à toi, Seigneur, pendant que tu nous parles. Oh Père, oh Père, oh Rabaka, Haraga, Haraga, Baga, Haraga, Baga, Haraka, Haraga, Baga, Haraga, Haraga, Baga, Haraga, 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 Baga, Haraga, Baga. Exerce nos mains au combat, Seigneur. Exerce nos esprits à la prière. Fais-le pour chacun. Bénis-nous, Seigneur, avec la révélation divine de la tâche que nous sommes en train d'accomplir. Avec, oh notre Dieu, bénis-nous, Seigneur, afin que chacun de nous soit capable d'arrêter le soleil, d'arrêter la lune, d'arrêter tout un jour avant d'avoir exterminé l'ennemi, avant d'avoir livré bataille jusqu'à la victoire totale. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Praise the Lord. Et lis pour nous la page 161, premier paragraphe. Read on the page 161, last paragraph. Dans le livre Combat spirituel pratique par la prière. In the book Practical Warfare Through Prayer. Quelles sont les implications pratiques de ceci? Un certain nombre de choses me viennent à l'esprit. Premièrement, je me repens devant le Seigneur pour le fait que je n'ai livré un combat soudain et total à Satan qu'une seule fois dans ma vie. Ceci aurait dû se faire plus fréquemment. Deuxièmement, je vois maintenant le besoin d'attaques concentrées plus que jamais auparavant. J'ai prié pour le salut de mon frère aîné fréquemment depuis octobre 1966, lorsque j'avais pour la première fois reçu la lumière. Cela fait maintenant 23 ans et quelques mois que je prie. Il n'a pas encore cru. Ma folie se manifeste dans le fait que je n'ai jamais passé toute une nuit de prière juste à prier pour une seule chose, son salut. Je n'ai pas livré un combat total contre les choses qui le tiennent captif, particulièrement son amour pour la popularité. Je ferai quelque chose à ce sujet. Je vais mettre à part une période de 7 jours et livrer une guerre totale contre Satan pour sa libération. J'entreprendrai un jeûne complet de 7 jours. J'investirai certains de mes amis les plus intimes à se joindre à moi. Nous jeûnerons ensemble et nous prierons. Nous prierons pendant 1 heure la première soirée. Nous prierons 2 heures la deuxième soirée. Nous prierons ensemble pendant 3 heures la troisième soirée. Nous prierons ensemble pendant 4 heures la quatrième soirée. Nous continuerons et prierons ensemble pendant 5 heures la cinquième soirée, puis 6 heures la sixième soirée. Finalement, au 7e jour, nous prierons ensemble pendant 12 heures. Nous espérons que la tâche sera accomplie et que le Seigneur nous assurera la victoire. Sinon, je chercherai la face du Seigneur pour recevoir de lui comment continuer à combattre pour son salut. Je vois maintenant qu'il faut que je paie un tel prix pour gagner. Seigneur, aide-moi à gagner. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Seigneur, aide-moi à payer le prix. Amen. Ça, c'est le frère Zach qui le dit dans son livre « Combat spirituel pratique par la prière », page 161,
Quelle édition? Livre chrétien, certainement. Regarde bien. Livre chrétien. So this is said by Brother Isaac in the book that I've been just read, and the edition is page 161, premier paragraphe. Page 161, first paragraph. Alleluia. Praise the Lord. Frères bien-aimés. Beloved brethren. Il faut savoir écouter la parole de Dieu. You must know how to listen to the word of God. Nous prions. We pray. C'est vrai. It's true. Mais ce n'est pas ce que Dieu... Nous n'avons pas encore atteint l'objectif. But we have not reached the goal yet. Tu pries. You pray. C'est vrai. It's true. Mais tu n'as pas encore prié. But you have not prayed yet. Si tu crois que tu pries, que tu as déjà prié, c'est une folie. If you believe that you pray and that you have already prayed, it's a madness. Notre Père en Christ. Our Father in Christ. Dit qu'il l'a fait une seule fois. Says that he has done it once. Il ne s'est pas établi dessus. He was not established in it. Et il dit, and he says, il a compris, that he has understood. Il va payer le prix. He will pay the price. Pour que son frère soit sauvé. For his brother to be saved. Il avait déjà prié pour lui. He had already prayed for him. C'était pas suffisant. But it was not enough. Et je suis témoin. And I am a witness. Je travaillais encore dans la fonction publique. I was still working. I was a civil servant. Quand le grand frère de frère Zach a cru. When the elder brother of Brother Zach believed. Il a convoqué la presse nationale. He summoned the national media. Il était couché. He was lying. Sur le lit d'hôpital. He was lying in a hospital bed. Et il s'est repenti sur le lit d'hôpital devant la presse nationale. And he repented on his hospital bed before the national press. Déjà que lundi matin comme ça, les gens ont le journal en main, ils lisent Fumum se repent. The kind that on Monday morning people have the newspapers in their hand with the repentance of Fumum. C'était un grand politicien. He was a great politician. Un député distingué. A distinguished member of parliament. Et il aimait la vie. And he loved the life. Le frère a dit qu'il avait combien de paires de chaussures là? Brother Zach says how many pair of shoes he had? Who listened to that testimony? Combien? 70. Ça dit tu et pas n'importe quel cuir. Not d'Autriche. Not any kind of liver. Donc, pour qu'il soit sauvé, il fallait l'arracher du monde. For him to be saved, he was to be snatched from the world. Par la prière. Through prayer. C'est l'engagement là que le frère prenait ici. It is that commitment that Brother Zach took here. Et il l'a payé. And he paid the price. Et il fut sauvé. And he was saved. Vous voyez? You see? C'est pas la théorie. Il a pris l'engagement. Relis. It's not theory. It's not theory. He took the commitment. Simple, pratique. Simple, practical. Pas Seigneur, pardonne-moi. Not, il y a Lord, des choses. Forgive me. Dieu a déjà pardonné. God has already forgiven. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? What is he expecting from us? C'est ça qui est important. What is he expecting from us is Lis. The most important. Un certain nombre de choses me viennent à l'esprit. Premièrement, je me repens devant le Seigneur pour le fait que je n'ai livré un combat soudain et total à Satan qu'une seule fois dans ma vie. Ceci aurait dû se faire plus fréquemment. Deuxièmement, je vois maintenant le besoin d'attaques concentrées plus que jamais auparavant. J'ai prié pour le salut de mon frère aîné fréquemment depuis octobre 1966, lorsque j'avais pour la première fois reçu la lumière. Cela fait maintenant 23 ans et quelques mois que je prie. Il n'a pas encore cru. Ma folie se manifeste dans le fait que je n'ai jamais passé toute une nuit
de prière, juste à prier pour une seule chose, son salut. Je n'ai pas livré un combat total contre les choses qui le tiennent captif, particulièrement son amour pour la popularité. Je ferai quelque chose à ce sujet. Je vais mettre à part une période de 7 jours et livrer une guerre totale contre Satan pour sa libération. J'entreprendrai un jeûne complet de 7 jours. J'inviterai certains de mes amis les plus intimes à se joindre à moi. Nous jeûnerons ensemble et nous prierons. Nous prierons pendant 1 heure la première soirée. Nous prierons 2 heures la deuxième soirée. Nous prierons ensemble pendant 3 heures la troisième soirée. Nous prierons ensemble pendant 4 heures la quatrième soirée. Nous continuerons et prierons ensemble pendant 5 heures la cinquième soirée, puis 6 heures la sixième soirée. Finalement, au 7e jour, nous prierons ensemble pendant 12 heures. Nous espérons que la tâche sera accomplie et que le Seigneur nous assurera la victoire. Sinon, je chercherai la face du Seigneur pour recevoir de lui comment continuer à combattre pour son salut. Je vois maintenant qu'il faut que je paie un tel prix pour gagner. Seigneur, aide-moi à gagner. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Seigneur, aide-moi à payer le prix. Vous notez ceci. Note this. Le cœur d'un intercesseur doit être libéré des fardeaux inutiles. The heart of an intercessor must be free from useless burdens. Le cœur d'un intercesseur, the heart of an intercessor, doit être libéré de tout fardeau, de fardeau inutile. Must be free from useless burdens. Il doit être libéré de frustration. He must be released from frustration. Des frustrations qui peuvent envahir le cœur. Frustration that can invade the heart. Et le remplir d'amertume. And fill it with bitterness. Tout ce qui peut remplir le cœur. All that can fill your heart. Et distraire. And distract. Doit être écarté, déraciné. Must be uprooted and put aside. L'intercession demande que celui qui prie ne soit pas concentré sur ses propres besoins. Intercession requires from the one who prays not to be focused on his own needs. Intercession demande, exige, requires que celui qui prie, that the one who prays, ne soit pas concentré sur lui-même. Should not be concentrated upon himself. Sur ses propres besoins. On his own needs. J'analysais le témoignage de la sœur Antoinette. I was analyzing the testimony of Sister Antoinette, qui avait été délivrée de la pauvreté. Who was delivered from poverty. Elle dit quand j'avais demandé que les frères se lèvent et demandent une seule chose à Dieu. She said that when I asked the brethren to stand up and ask one thing to God. Elle s'est tenue debout. She stood up. Elle a dit, oh Dieu, est-ce qu'elle est là? She said, oh God, is she here? Ne faut pas que je... Because I should not. Comme elle n'est pas là, je vais le dire à sa place. As she's not around, I will il say a dit, it oh Dieu. She said, oh God. Peut-être que je ne suis pas venu sur la terre pour être riche. Maybe I didn't come on earth to be rich. Mais bénis-moi. But bless me. Afin que quand tu vas revenir, que j'ai la vie éternelle. So that when you come back, I have everlasting life. Au même instant, deux anges sont descendus, un à sa gauche, un à sa droite. Immediately, two angels came down, one on her left and one on her right. Et le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour comprendre que sa prière est le résultat d'un renoncement à soi-même. The Lord opened my mind to understand that a prayer is the result of a denial, a self-denial. C'est comme si c'était là le la première fois qu'elle renonce au désir d'être bénie matériellement. It is as if at that time when she was praying, it was the first time for her
to renounce. Et ça a touché le cœur de Dieu. The desire to be blessed. Il a envoyé les anges la délivrer. Materially, and this moved the heart of God. Frère, and he sent angels to deliver her. Dans cette salle, brethren, in this hall, il y a des gens dont les besoins sont déjà des idoles. There are people here whose needs are already idols. Je suis allé. J'avais un disciple. I had a disciple. Il est venu pour qu'on puisse prier. He came so that we pray together. C'était un lundi. It was on a Monday. Dans la nuit. In a night. Et avant de prier, nous nous sommes exhortés. Before we pray, we encouraged ourselves. Et nous sommes allés nous reposer pour revenir à minuit. And we went to take a rest in order to come back at midnight. Je l'avais exhorté. I encouraged him. Je dis frère. I said, brother, Dieu n'aime pas que les besoins de l'homme deviennent des idoles. God doesn't want that the needs of people become idols. Et le frère désirait avoir un enfant. And the brother desired ardently to have a child. Il ne fallait pas lui parler d'autre chose. Quand vous êtes ensemble, c'est de ça qu'il faut parler. You could not speak with him about something else. When you are together, it's only the topic. It's the only topic on which you can discuss. Pour que la conversation soit agréable pour lui, il faut que tu parles de l'enfant, de l'enfant. For your conversation with him. L'enfant, l'enfant. For your conversation with him to be pleasant, you must talk about childbirth. Je lui dis. I told him. Si le besoin devient une idole, Dieu ne va pas t'exaucer. If the need becomes an idol, God will not grant you. Je suis allé un peu loin. I went even further. J'ai dit, tu peux même adopter un enfant. I told him, you can even adopt a child. Je ne lui disais pas d'adopter un enfant. Je disais que tu dois aller jusqu'à penser, jusqu'à comprendre que même s'il n'y a pas d'enfant, c'est bon. Il y a plein d'enfants. Regarde dans l'église. I was not telling him to adopt a child, but I just wanted to let him know that he can even go up to thinking about that. Il ne m'a rien dit. He told me nothing. Nous nous sommes reposés. And we rested. Quand l'heure de la prière est arrivée, je me suis levé. When the time for prayer came, arrived, I got up. J'ai trouvé une lettre rédigée avec le stylo rouge. I found a letter written with a red pen. Que je lui ai fait très mal. That I harmed him greatly. Que lui veut l'enfant. Qu'il veut l'enfant. That he wants the child. Qu'il s'en va. C'est fini même. He's l'église going. Là, c'est fini. C'est going. It's finished with the church. Et c'était fini jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. And c'est it was finished up to this day. Ça, c'est des affaires de 92. This is parti. A matter of 1992. He went. Frère, ne fais pas ça. Brother, do not do that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu, si, même si les gens se moquent de toi que tu ne travailles pas, tu as les diplômes, faut pas te préoccuper de ça. Even if people mock you, saying that you don't have a job, though you have certificates, do not care about that. Ton cœur doit expérimenter le renoncement à tout. Your heart must experience a renouncement to all. Pour que tu sois concentré sur le but ultime de ta vie de prière. For you to be focused on the ultimate goal of your prayer life. Il est parti. He went. Et il m'a parlé dur parce qu'il y avait d'autres mots que j'ai déjà oubliés. And he spoke to me harshly, and even there are some words that I've forgotten. Et je ne m'amusais pas. J'étais rempli du Saint-Esprit. But I was not joking. I was filled with the Holy Spirit. Je savais que Dieu était en train de lui parler. I know that God was speaking to him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu as un besoin, sois humble devant Dieu. When you have a need, be humble before God. Ne menace pas de rétrograder. Do not threaten to backslide. Dieu va te mépriser. God will despise you. C'est-à-dire ton offrande ne sera pas agréable, ça sera comme pour Caïn. That is, your offering will not be pleasant to God. It will be like the one of
can. Il dit quand tu offres une offrande. He said that when you give an offering, tu dois l'offrir de manière de telle sorte qu'elle soit agréable. You must offer it in such a way that it becomes a pleasant to God. Il y a beaucoup d'offrandes. There are many offerings. Mais est-ce que c'est pur? But is it pure? Est-ce que l'offrande est sans défaut? Is the offering without default? Est-ce que ce n'est pas une bête chétive? Is it not a skinny goat? La prière est une offrande. Prayer is an offering. Tu peux déposer la prière, tu libères un frère. You can lay down prayer and release a brother. C'est comme une rançon. Tu peux passer une nuit de prière, ça délivre les gens. C'est-à-dire Dieu prend ta prière comme une rançon et il agit. It is like a ransom. God can take your prayer like a ransom. You spend one night and deliver people. La loi des offrandes, c'est qu'elles doivent être présentées de telle sorte que Dieu les trouve agréables. The law of offering is that the offering should be presented to God in a way that it becomes pleasant to God. Et puis il disait, tu dois mettre le sel dessus. And he said that you must put salt on it. L'offrande ne doit pas se décomposer. That is, the offering must not be, decayed. En mettant le sel, while putting tu protèges de la corruption. You protect it from corruption. Ce sont des lois de l'offrande. These are laws of the offerings. Tu ne dois pas jeter un morceau de viande là et puis après 2 heures de temps les asticots sont dessus. Tu dis j'ai offert un sacrifice à Dieu. You should not put piece of meat there, and after 2 hours the maggots are on it, and he said, sans défaut, without default, couvert de sel, covered, sans défaut, without default, couvert de sel, covered with salt. Et la troisième loi, and the third law, joyeusement, joyfully, joyeusement, joyfully. Si tu donnes, if you give, et tu graisses les dents, and you gnash your teeth, tu n'as rien fait, you have done nothing, c'est zéro. Is nothing. Tu donnes, you give, tu te réjouis, and you rejoice. Tu te réjouis, you rejoice. Tu supplies même, you even beg, de donner, to give. Et Dieu te bénit, and God blesses you. Nous n'avons pas encore prié. We have not prayed yet. Faisons comme le frère Zach. Let us do like brother Zach. Il a pris le stylo. He took the pen. Il a dit, je veux faire, voici ce que je veux faire, 7 jours complets. And he said that this is that which I will be doing. Je veux chercher les amis, je veux les associer, je veux les inviter avec moi dans cette bataille. 7 complete days, I will find some friends and I will invite them in this warfare. Parce que dans la prière, le nombre est important. Because in prayer, the number is important. Et Dieu a dit, and God said, c'est Jésus qui enseignait. It was taught, it's si, Jesus si deux d'entre vous, if two among you s'accordent sur la terre, agree on earth, il y a des dossiers qu'il ne faut pas présenter toi seul. Yet there are files that you should not present to God alone. Présente-toi seul et cherche d'autres des amis. Present yourself and seek friends. Tu verras le résultat. You'll see the result. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ceux qui dirigent les intercessions, those who lead les groupes d'intercession, intercession teams, doivent être des grands communicateurs de la vision. Must be great communicators of the vision. Le but c'est quoi? What is the goal? Tu ne dois pas prier seul. You must not pray alone. Les gens doivent venir prier avec toi. People should come and pray with you. Parle. Speak. Invite-les. Invite them. Dis de tel, je t'attends. Tell to such a such person, I'm waiting for you. Ne sois pas lâche. Do not be coward. Et n'aie pas honte. And do not be ashamed. Ta victoire dépend de ça. Ta victoire dépend de cela. Your victory depends on that. Tu communiques. You communicate. Et tu te retrouves avec 20 personnes. And you find yourself with 20 50, people. 50. 100. 100. Il y a une différence. There's a difference. Entre une personne qui crie. Between one person who cries out et 100 personnes qui crient. And 100 people who cry out.
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La vision, the vision doit être partagée, doit largement être partagée. Must be largely shared. Dans une église locale. In a local church. La vision, the vision doit être largement partagée dans une église locale. Must be widely shared in a local church. Pour quel but? Why? Afin que les saints, so that the holy ones, puissent élever à Dieu des prières sortant d'un même esprit, d'un même cœur, d'une même âme. To raise to God a prayer stemming from the one same spirit and one same heart. La vision, the vision doit être largement communiquée dans une église locale. Must be widely communicated in a local church. Cela aidera les saints à comprendre ce qu'on fait. This will help the holy ones to understand that which we are doing. Venir prier avec un même esprit, un même cœur, une même âme. Come to pray with the same spirit and the same mind, the same soul. De telles prières, such prayers, ont l'avantage de réunir autour d'un même but tous les saints engagés. Have the advantage to gather around only one goal, all the committed holy ones. Plus il y a mobilisation d'un grand nombre, the more there is a mobilization of a great number, plus la victoire est rapide. The more the victory is rapid. Prenons ça comme une loi. Let us take this dans nos assemblées. Let us take this as a law in our assemblies. Le dirigeant d'une assemblée doit supplier les frères. Tu te mets même à genoux, tu dis pardon, venez, on va prier, pardon. The leader of the assembly is to beg the brethren. You should even kneel and beg the brethren to come and pray. Moi-même, je dois supplier. Je dis pardon, venez, pardon, venez. Myself, I have to beg. I say, please come, please come. Vous savez ce que nous allons faire? You know what we have done? Il y a quatre prophéties. There are four prophecies qui parlent de notre ministère et de nous-mêmes, which are about our ministry and about ourselves. Les vendredis, on Fridays, on pourra prendre une prophétie. On dit ça, c'est Santa Cruz. We can take a prophecy. Par exemple, Santa Cruz. For example, Santa Cruz. On décortique, on prie que ça s'accomplisse. We talk about it and we pray for its fulfillment. On va prendre la prophétie de Benjin. We will take the prophecy of Benjin. On lit ce que Dieu a promis au peuple de la CMC. We read that which God promised to the people of CMFI. Et on commence à crier à Dieu. And we start crying out que to nous God. Voulons cela dans nos vies. That we want this in our lives. Un autre jour, nous prenons la prophétie de Bertois. Another day, we take the prophecy of Bertois. Nous crions à Dieu. We cry out to God. Pour chaque routine. For every routine. Chaque routine. Every routine. Que chaque routine. That every routine soit pratiquée. Be practiced. Divinement. Divinely. À partir d'une connaissance de Dieu, une connaissance révélationnelle de Dieu. From a revelational knowledge of God. Frère, vous savez, you know, brethren, j'ai découvert que le livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, I have discovered that the book Daily Dynamic Encounter with God, les frères n'ont pas encore compris ce livre-là. The brethren have not understood it yet. Il faut souligner dynamique. You must underline dynamic. Si tu enlèves dynamique, if you remove dynamic, ça devient les rencontres quotidiennes avec Dieu. It becomes daily encounters with God. Et ça sort de l'esprit du frère Jacques. And this gets out of the spirit of God. Pour ceux qui sont là pour la première fois, for those who are here for the first time, cette sœur a prié, deux anges sont descendus. That sister prayed and two angels came down. Ils ont ouvert ici là, un homme est sorti. They opened her chest and a man came out. Il était noir. He was black. Environ 1 mètre de taille. About the size, about 1 meter. Il était chauve. And he was bald. Il était nu, comme elle disait, sans caleçon. He was naked, without any paint. Les gens qui disent que les esprits humains n'existent pas, venez la saluer. The people who say that a human spirit do not exist, come and greet her. Elle va vous instruire.
She will instruct you. Dès que cet esprit fut vaincu, qu'il est sorti. As soon as that spirit came out and was overcome, l'argent la cherche. Money is running mais after. Ne va pas là-bas. Do not go there. Ne la cherche pas après que do not seek je n'ai pas le loyer, ma sœur. Saying that I don't have my house rent. Mais tu peux faire le stage. But you can be wise. Non, tu peux faire un stage avec elle. Or you can go and have an internship with her. Pour aller démarrer ta part. A training to start yours. Il y a des gens que j'ai envoyés vers elle. There are people that are sent toward her. Soyons nobles. Let us be noble. Ne soyons pas un peuple où le riche a peur de dire qu'il est riche. Do not let us not be a people where the one who is rich is afraid to say that I'm rich. Quand j'entre chez les gens, je ne regarde pas tout ce que je vois. Je ne regarde mais Dieu m'a béni, je ne vois pas. When I go to people, I don't watch, I don't check or look at what they have. God has blessed me. Je peux faire 10 ans sans rendre visite à un de mes disciples dans son bureau. Même s'il est grand. I can spend 10 years without paying a visit to my disciple in his office, even if he's a great man. Parce que les gens exploitent ça pour troubler. Because people exploit this to trouble. Tu es dans ton bureau, quelqu'un entre, je suis venu te bénir. You are in your office, somebody comes there, I'm coming to bless you. J'ai rêvé que tu as reçu une promotion. I had a dream that you have received a promotion. Nous avons un jeune pasteur à Abengourou. We have a young pastor with us. Abengourou. In Abengourou, sorry. Il était quelque part avant d'être converti. Before he was avant de nous rejoindre. Before he joins us, he was somewhere. Il dit là-bas on leur apprenait comment escroquer l'argent. He said there they taught them how to crook people. On leur disait. They were taught. Vous cherchez le numéro d'une personnalité. You seek the number of a high-ranking person. Vous l'appelez. You call him. Vous demandez, tu es où? You ask him, where are you? Il dit non, je suis en mission. Say, I'm in a mission. Quelle mission? Reviens, les sorciers sont sur toi. Je viens de voir ça. Say, what a mission! Come quickly, the sorcerers are on you. I've just seen it. Tu as peur. You are afraid. Et tu rentres. And you come back. Il dit, il te demande une chambre. Ils entrent dedans. He asks you a room and they go there. Ils disent qu'ils sont dans le jeûne pour prier pour toi. And they say that they are in a fasting to pray for pendant you. Pendant ce temps, ils mangent dans la chambre bien. In the meantime, he eats there well. Tu leur donnes l'argent. And you give them money. Il dit, il a fait ça jusqu'à construire. He said he did this until he built a house. Mais permettez que les frères puissent dire, Jésus m'a béni. Allow people, brethren, to say that Jesus has blessed me. Et vivre tranquille. And live in tranquility. Si un frère veut bénir quelqu'un, qu'il soit libre. If a brother wants to bless somebody, let him be free to do so. Ne demande pas indirectement. Ne demande pas l'argent indirectement. Do not ask money indirectly. Il y a ce qu'on appelle les contraintes morales. There are that which we call moral constraints. Je peux vous enchaîner par des contraintes. I can moral. Enchain you with moral constraints. Je viens. I come. Je dis là où vous me voyez. I say là, sorry, where you see me. Dieu m'a élu. God has elected me. Je n'ai besoin de rien. I need nothing. Il est vrai que mon enfant n'a pas encore été inscrit. It's true that my child has not been registered yet. Il est là à la maison, ça fait 3 mois déjà. Mais je sais que Dieu agit toujours. He's at home for about 3 months, but I know God always acts. On a fait 3 jours sans manger. We have spent 3 days without eating. Mais Dieu est avec moi. But God is with me. Si les frères sont sages, if the brethren are wise, cet homme-là a faim. That man is hungry. Et il a besoin d'aide pour son enfant. And he needs a help for his child. Mais il vous enchaîne. And il veut que vous soyez torturé moralement. He wants you to be morally tortured. Et que ça produise des libéralités. So that it can produce liberalities. Ne faisons pas ça.
Let us not do that. Vivons la charité. Let us live charity. Tu as un problème. You have a problem. Tu partages avec les frères. You share it with the brethren. S'ils peuvent t'aider, ils peuvent t'aider. If they can help you, they help you. Et ça doit être beau. And it must be beautiful. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça peut être beau. It can be beautiful. Discipliné, propre. Clean and disciplined. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. L'autre jour, je disais que si vous entendez qu'on voyage, the other day, I was saying that if you hear that we are traveling, soyez libre de poser des actes, be free to take actions, des vrais enfants de Dieu, of the genuine children of God. Il y a des gens qui le font systématiquement. There are people who do ils it même là. Systematically, and they are even here. Donc, ne mets pas ce que tu voulais donner dans ton sac. Tu dis, le pasteur nous a déjà sanctifié. Ça, il nous a délivré de ce fardeau. Non, il faut venir donner. Il faut venir. Viens avec. Do not put what you wanted to give in your bag and say that the pastor has delivered us from that burden. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'école ici, c'est apprenons à mobiliser l'église. The school here is that we should learn to mobilize the church. Les vendredis, nuit de prière de l'église. Fridays, the prayer nights of the church. Il nous faut même 3000, au moins 3000 personnes dans cette salle, intercédant pour l'église d'Abidjan et l'œuvre dans la nation et dans le monde. We should have at least 3000 people in this hall interceding for the church of Abidjan, the church in the nation, and the work in the world. Ne sois pas facilement satisfait. Do not be easily satisfied. Que vous êtes 25. That you, there are 25 of you. À l'assemblée. In the assembly. Et deux personnes viennent à la prière. And two people come to pray. Et ils sont contents. And they are happy. Ce n'est pas bien. It's not good. Quand ça finit. When it is finished. Vous allez chez les autres. You go to the others. Que c'est comment? That what's going on? Tu n'étais pas là. You're not there. J'étais encore jeune pasteur vers les années 84. I was still a young pastor around the years 1984. Je suis arrivé dans une assemblée à Yaoundé. I got into an assembly in Yaoundé. Il y a eu une nuit de prière. There was a prayer night. Mon dirigeant était seul dans la salle. My leader was alone in the hall. Plus moi, ça faisait deux personnes. And me, there were two of us. Les autres zones. The other zones avaient beaucoup de personnes. Had many people. Et mon dirigeant interprétait ce jour-là. And my leader was interpreting that day. Donc pendant que je l'attendais, j'étais seul. So while I was waiting for him, I was alone. Sitting there alone. Et le frère Zach conduisait la prière. And Brother Zach was leading the prayer. Après, il a dit que chaque zone se retrouve donc. And after he said that each zone should meet. Et mon dirigeant est venu. And my leader came. Tu vois les autres, les groupes étaient bien constitués. If you see the others, the group were well constituted. Il m'a dit merci, frère Boniface, plus de deux, trois fois. He told me thank you for more than three times. Ça pesait sur lui. It was weighing on him. Si je n'étais pas venu, if I had not come, il serait seul. He would have been alone. Et j'étais là pourquoi? And why was parce I there? J'avais trouvé une formule. Because I found a formula pour assister sans bruit à la nuit de prière. To take part in the prayer night without noise. Parce que le frère Zach, 22 heures, il chassait les étudiants. Because Brother Zach, when it is étudier, when it is 10 p.m., he drove out the students and told them to go to study. J'avais trouvé un moyen pour bien étudier et avoir une conscience pure. I found a way to study well and have a pure conscience avant de venir à la nuit de prière. Before coming to the prayer night. Quand je suis parti de là, when I went from there,
J'ai rendu systématiquement visite dans les maisons, les familles. I systematically paid visit to the families. Le samedi qui suivait, the Saturday that followed, il fallait voir notre groupe. You could see our group. Nous our étions group. Nombreux. We were numerous. There were many of us. Frère, l'homme a été créé pour être dirigé, pour être conduit. Brethren, man was created to be led, to be conducted. Le dirigeant doit savoir que son poste est un poste qui conduit les gens. The leader must know that his post is a post that leads people. C'est pour cette raison que Paul disait, notre autorité n'est pas pour vous détruire, mais pour vous bâtir, pour vous édifier. That's why Paul said that our authority is not to destroy you, but to build you up, to lead you. L'école de ce soir, the school of this evening, c'est que is that supplions les frères, we should beg the brethren, en tant que dirigeants, as leaders, supplions les frères, let us beg them, dire pardon, say please, venez, come, venez, come, nous allons prier, so that we pray. Après, prépare le thé. You can plan the tea et des sandwiches. And sandwiches pour donner à ceux qui viennent prier. To give to those who come and pray. Paye le prix. Pay the price. Tu verras. You will see. Et le fardeau qui devait être porté par toi seul sera porté par 1000 personnes, 2000. And the burden which was to be borne by you alone will be paid by 1,000 or 2,000. Lisons rapidement 1 Chronique 12, 23 à 38. Nous allons voir une mobilisation qui illustre ce que nous sommes en train de dire. Let us quickly read in 1 Chronicle 12, reading from 23 to 38. You will see a type of mobilization to illustrate that which we are saying. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Judas portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants dans la guerre, 7100. Des fils de Lévi. Écoutez en même temps le nombre de personnes, parce qu'il n'y aura pas un commentaire. There won't be any commentary. Listen to the number of people. Pour la bataille, pour aller aider David à devenir roi, pour établir roi. To go and appoint David king. Vas-y. Go. Verset 26. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Sadoc, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux, 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre,
28 600. D'Azer, en état d'aller à la mer et prêt à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Amen. Prends le livre. Je ne pratique pas la prière. Page 166. Page 166. Page 165 et 166. Pages 165 and 166. Commence au deuxième paragraphe de la page 165. Start with the second paragraph on the page 165. Il est évident que... C'est le commentaire du frère Zach. This is the commentary by Brother Zach. Il est évident que le grand effectif était présent. 6 800, 7 100, 4 600, 3 700, 3 000, 20 800, 18 000, 50 000, 37 000, 28 600. 40 000 et 120 000. Il était aussi évident que ce n'étaient pas de nouvelles recrues. C'étaient des soldats expérimentés, décrits comme étant des hommes vaillants à la guerre. 20 chefs, des hommes vaillants, des gens de renom, des hommes qui avaient l'intelligence des temps. 200 chefs munis pour le combat de toutes les armes de guerre. 1 000 chefs armés pour la guerre. Ils n'étaient pas seulement des soldats capables, c'étaient des soldats capables et armés. Certains sont décrits comme portant le bouclier et la lance, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, armés de boucliers et de lances, armés pour la guerre, avec toutes les armes de guerre. Ils n'étaient pas seulement armés. Ce pourquoi ils étaient armés était défini. Ils étaient armés pour le combat, pour la guerre. Le nombre. The number. Les effectifs sont très importants dans le combat spirituel. In the spiritual warfare, numbers are very capital. Quand tu restes à la maison, when you remain home, nous enregistrons moins un. Our action is minus one. Ce n'est pas bon. It's not good. Personnellement, personally, je vous en supplie. I beg you. Annoncez cette bonne nouvelle. Give that good news. Dites au frère que le Seigneur veut le nombre. Tell the brethren that the Lord wants numbers. Devant lui. Before him. Intercédant. Interceding. Il y a des anges qui sont déjà descendus. There are angels which has already come down to work. Dieu va multiplier les légions. God will multiply it. Si nous prions ensemble. If you pray together. C'est maintenant que je comprends un chant qu'on chantait quand on avait cru dans les groupes bibliques. It's now that I understand a song that we used to sing when we believed. Si toi tu crois, si moi je crois, si nous prions ensemble, le Saint-Esprit descendra et nous serons bénis. If you believe and I believe and we pray together, the Holy Spirit will come down and will be blessed. C'est une vérité. This is the truth. S'il vous plaît. Vendredi. Friday, please. Venez. Come. Nous allons prier. So that we pray. Dieu va plus loin. God goes further. Il dit, invoque-moi. He said, call upon me. Je vais t'annoncer les choses cachées que tu ne connais pas. I will announce to you hidden things that you don't know. Dans Jérémie 33, verset 1 à 24, verset 6. In Jeremiah 33, verse 1 to 26. Dieu
promet God promises de nous révéler les choses à venir. To reveal to us the coming things. De nous révéler les choses cachées. To reveal hidden things to us. Pour qu'Abraham prie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a révélé le jugement contre Sodome et Gomorrhe. For Abraham to pray, what did the Lord do? God revealed to him the judgment against Israel, against Sodom and Gomorrah. Dieu lui a révélé le jugement. God revealed to him the judgment contre Sodome et Gomorrhe. Against Sodom and Gomorrah. Pour que Moïse prie. For Moses to pray. Dieu lui a révélé le jugement. God revealed to him the judgment. Il lui a révélé ce qu'il voulait faire. God revealed to him that which he wanted to do. Contre le peuple qui avait fabriqué le veau d'or. Against the people who made the golden calf. Et le frère Zach nous exhorte. And Brother Zach encourages à prier us to pray pour que Dieu nous révèle for God to reveal les desseins de Satan. The purposes of Satan. Pour que Dieu nous révèle for God to reveal to les us desseins de Dieu. His purposes. Nous, il nous révèle les desseins de Satan pour que nous puissions les détruire. He reveals the purposes of Satan to us for us to destroy them. Tout ce qu'il pense contre ta personne, ta santé, ton travail. All that he thinks against your person, your health, ton your ministère, work, your ministry. Dieu peut te révéler ça. God can reveal this to you. Il est dit, it is said, qu'il ne fait rien that he does not do anything sans avoir révélé à ses amis les prophètes. Without revealing them to his to the prophets, il his friends. Dit toujours, he always say. Et il nous révèle ses desseins pourquoi? And why does he reveal his purposes to us? Parce qu'il a dit, because he said, sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. His word will not go back to him without accomplishing his purposes. Donc quand il a parlé, so when he speaks, il ne reste plus que l'intercession. It is only intercession left. C'est ce que nous allons faire sur les quatre prophéties qui concernent nos vies et notre œuvre. This is what we'll be doing on the four prophecies concerning our lives and our work. Quand il te révèle sa volonté, when he reveals his will to you, tu as la responsabilité de prier que cela s'accomplisse. You have the responsibility to pray for its fulfillment. Lis pour nous Amos 3, verset 7. Read for us Amos 3, verse 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Habakkuk 3, verset 1 et 2. Habakkuk 3, verse 1 and 2. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Éternel, Lord, j'ai entendu ce que tu as annoncé. I have heard your speech. Je suis saisi de crainte. Je suis saisi de crainte. And I was afraid. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Lord, revive your work in the midst of the years. Oh Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Alléluia. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dans ta colère, in your wrath, en faisant ce que tu me montres là. While doing that which you are showing me, quand tu vas faire ce que tu me révèles, if you accomplish that which you are revealing to me, souviens-toi que tu es un Dieu compatissant. You remember that you are a compassionate God. C'est ça le rôle d'un intercesseur. This is the role of an intercessor. Dieu a révélé à Habakkuk. God revealed to Habakkuk ce qu'il allait faire. That which will be doing. Habakkuk dit. Habakkuk says, Éternel. Lord, j'ai entendu ce que tu as annoncé. I have heard your speech. Je suis saisi de crainte. And I was afraid. Donc tu dois connaître les plans du diable. You must know the plans of the devil. Et tu dois connaître les projets de Dieu, les plans de Dieu. And you must also know the projects, the plan of God. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Revive your work in the midst of the years. Oh Éternel. Oh Lord. Dans le cours des années. In the midst of the years. Manifeste-la. Make it known. Mais, but dans ta colère, in your wrath, souviens-toi de tes compassions. Remember mercy. Ça veut dire ne détruis pas.
That it means do not destroy. Pardon. Forgive. Pardon. Forgive. C'est ça l'intercession. This is intercession. Il doit connaître Dieu. You must know God. Il connaît les plans de Dieu. You must know the plans of God. Il les appelle à l'accomplissement. And call them for their fulfillment. Il connaît les plans du diable. You know the plans of the il devil. Il les détruit. He destroys them. Tu es dirigeant d'une assemblée. You are the leader of the assembly. Tu dois savoir ce que le diable planifie contre l'assemblée. You must know what the devil is planning for against the assembly. Un jour, le Seigneur m'avait révélé. One day the Lord revealed to me. Que dans il y a une route qui mène dans chaque assemblée. That there is a way that leads to each assembly. Que les démons. That the demons. Barrent souvent cette route là. Sometimes stand in that way. Quand elle est barrée. When it is barred, les frères ne viennent plus aux réunions. The brethren do not come to the meeting. En cassant les barrières. By breaking the barriers. Placés par l'ennemi sur le chemin des assemblées. That have been set by the enemy on the way to the assembly. Les frères reprennent la fréquentation normalement. The brethren start attending the meeting normally. On a prié comme ça, on a eu les résultats. We prayed like that and we got the results. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Tu demandes une chose à Dieu. Ask one thing to God. Dis à Dieu. Tell God. Révèle-moi tes plans. Révèle-moi tes plans. Reveal your plans to me. Révèle-moi ton œuvre. Reveal me your work. Afin que je puisse coopérer avec toi dans la prière. For me to cooperate with you in prayer. Après tu dis. And after you say. Révèle-moi les plans du diable. Reveal the plans of the devil to me. Afin que je puisse les détruire. So that I can destroy them. En exerçant l'autorité. By exercising authority. Prions ensemble.